l'impression de pédaler dans la semoule, d'avoir la tête farcie, l'impression qu'on vous prend le chou, qu'on vous presse le citron, la sensation d'avoir la tête comme une pastèque, la cafetière en ébullition, la cervelle comme de la sauce blanche, bref, les boyaux de la tête comme du pâté de foie. Rassurez-vous, vous n'êtes pas complètement cuit. Mais si vous ne voulez pas vous faire bourrer le mou, il faut consulter un spécialiste. Dites ah ! Moi ? Seuls les initiés connaissent la psychanalyse. Ceux qui l'ont pratiquée et dont la personnalité s'en est trouvée transformée. Mais transformée de quelle façon ? Au nom de quel principe ? Et par quel intermédiaire ? Bonsoir. Vous savez que, pour beaucoup de gens, pour moi, vous êtes un personnage étrange. Le psychanalyste, c'est quelqu'un qui fait peur. Vous savez ça ? Bien sûr que je le sais. Et pourquoi ? Parce que il incarne, il personnifie ce monde mystérieux, ténébreux, inquiétant de l'inconscient. Et les gens ont peur de leur inconscient. Ils en ont d'autant plus peur qu'ils s'imaginent qu'il y a là, dans ces ténèbres, on dirait une représentation du malin, du diable de notre époque. C'est le diable de notre époque. Et le psychanalyste est un peu aussi le diable. Soi-disant, l'incarne, le personnifie. Ce que nous allons vous présenter maintenant, c'est un peu une initiation, une évocation d'une réalité très riche et très complexe. Alors nous avons besoin que vous soyez vous aussi ce soir, en même temps que nous, les auteurs de cette émission, que vous fassiez preuve vous aussi d'une certaine imagination créatrice pour entrer dans ce qu'on vient de vous désignés comme les méandres de l'inconscient et du conscient. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient ? Ben, c'était pareil. C'est à Paris, dans le cadre de la Salpêtrière, que Charcot, dans un esprit scientifique entièrement nouveau, place l'hystérie au centre des préoccupations médicales de son époque. Freud avait vu se dérouler sous ses yeux le drame de la grande crise. 10 ans plus tard, il sera amené à proposer des idées révolutionnaires pour essayer de déchiffrer le sens de l'hystérie. C'est à partir de ses recherches que Freud a jeté les bases de la psychopathologie moderne et prouvé l'existence de l'inconscient. Il élabore la théorie psychanalytique fondée sur les notions de pulsion et de défense, de refoulement et de conflit. Dépassant les perspectives mécanistes de ses contemporains, Freud introduit la dimension véritablement humaine du désir. Longtemps, les hommes sont parvenus à maintenir la légende, fille de leur désir, d'une enfance asexuée. Je donne aux organes comme au processus leur nom technique et j'appelle un chat un chat. Sentir, exprimer et communiquer. Faites bien attention ici, parce que c'est pas ce à quoi vous vous attendez. C'est après de longues hésitations que Bertrand se décide à entreprendre une psychothérapie. Bertrand dit qu'il souffre fréquemment d'accès dépressif. Il manque de confiance en lui-même. Je contrôle tout le temps, tout ce que je fais, si ma cravate est bien d'aplomb, ce que j'ai. Je ne peux pas être naturel. J'ai la trouille. Ce que vous sentez, si vous le disiez en image, ce serait comment ? Il voit l'image, voit l'image. Et c'est peut-être une image qui est liée à quelque chose d'aujourd'hui, du présent, quelque chose d'un passé récent, mais ça peut venir de très très loin. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un œuf. Je vois un œuf. L'inconscient, quel drôle de mot. Oui, je suis d'accord. Enfin, Freud n'en a pas trouvé de meilleur. Et maintenant, c'est fait, il n'y a pas à y revenir. Ce mot a l'inconvénient
peut être négatif. Ce qui permet, et on ne s'en prive pas, d'y supposer n'importe quoi au monde sans compter le reste. Hein. Approche. L'inconscient, ça parle. Ce qu'il fait dépendre du langage. L'inconscient, tel que je le formule, il y a deux versants. La structure, c'est le langage. Si on nous rappelle qu'au versant du sens, l'étude du langage oppose le versant du signe. Comment a-t-il fallu Freud pour simplement d'être docile à l'hystérique, il en vienne à lire les rêves, les lapsus, voire les mots d'esprit, comme on déchiffre un message chiffré. Nous ne savons renoncer à rien. Nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. Un être humain, au départ, c'est une masse de pulsions en bouillonnement. Cet ensemble de pulsions, c'est le ça. Un ça qui tend toujours à la décharge. Je revois quelque chose dans la petite enfance. Vous êtes à nouveau ce petit enfant. Je me voyais bleu, étouffé, sentant tout disparaître. Bloqué complètement. En même temps, cette impossibilité de respirer. Ces pulsions ne peuvent pourtant être toujours satisfaites, car il y a la réalité, les autres, source de plaisir, mais aussi de frustration. Une espèce d'impuissance. Angoisse. D'état entre la vie et la mort. Angoisse. De passage de vie à mort. Angoisse. Cette assimilation de l'autorité et de ses règles devient la conscience morale de la personnalité, c'est le surmoi. C'est cette espèce d'étouffement qui est le pire. Si ce conflit entre le ça et le surmoi ne peut se résoudre, il y aura angoisse et un excès de refoulement. Épuisé. C'est l'origine des névroses. Les girouettes de l'insomnie effacent les cauchemars. Étranglé, asphyxié, déchiré, déchiqueté. La théorie, ça n'empêche pas d'exister. Ça n'empêche pas. Pour moi, il est très important de travailler sur la créativité que j'ai mise en œuvre parce que les personnes perturbées n'ont pas le sentiment de leur identité propre et ce que la créativité de chaque individu engendre, c'est justement son identité. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. C'est d'être rien d'être psychanalyste. C'est pas du tout quelqu'un de malin. C'est quelqu'un qui a travaillé pour savoir qu'il faut qu'il arrive à jouer le zéro pour que l'autre joue d'être enfin un au lieu d'être parasite de quelqu'un d'autre. Je manque exactement comme pour l'inconscient, dont c'est la véritable définition. Ils ne savent pas qu'ils le savent. Oui, vous verriez ça comment? Ça me fait penser quand j'étais môme. J'imaginais un fil à couper le beurre qui scierait tous les poteaux électriques en deux. Et les poteaux ne tomberaient pas, ça tient. C'est tout à fait moi, ça, couper en deux et ça tient. L'homme pense de ce qu'une structure découpe son corps et en rondelles qui n'ont rien à faire avec l'anatomie. Cette cisaille certes, vient aussi à l'âme. Ça vient à l'âme avec ce dont j'espère que quand même quelques-uns ont quelque idée, à savoir le symptôme obsessionnel. Est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que j'ai fermé le gaz? Est-ce que j'ai fermé ma braguette? Ça m'a fait penser à des jeux avec des cousins. On était mots. On comparait nos sexes, on jouait à se mettre une bambinette. Un jour, ma mère est arrivée. Quel œil! Ma mère avait l'œil à tout. Elle m'a bloqué, cassé. Ça me déprime quand j'y pense. Mais j'y arriverai, j'en sortirai.
croyez que je peux en sortir, vous ? Ces blocages, ils sont dus à la peur d'exprimer la rage en face de la mère, de sa mère, puisqu'il y avait une lutte qui était en relation avec la période anale, c'est-à-dire des problèmes avec l'éducation sur le caca. Le coffre-fort du voisin. Ce qui est la porte ouverte à d'autres prises de conscience et à un autre travail ultérieur. Laisse les images, fais le son. Fais un son en même temps. S'il n'y a pas de son, ça ne va pas. Fais un son. Ton corps et ce que tu sens et à l'énergie qui coule dans ton corps. Au cours de Face à Face, Bertrand raconte et analyse des rêves nocturnes. Il retrouve des souvenirs de son enfance. Il parle aussi de son travail et de sa vie de famille. Il exprime son angoisse devant les femmes et sa peur de l'homosexualité. L'image de l'homme apparaît pâle et incertaine. C'est un sorcier ambivalent avec qui, dans les profondeurs d'une caverne, s'ébauche une relation homosexuelle. La femme, par contre, est énorme, puissante. C'est une femme forgeron, armée de pinces, menaçante, dangereuse, qui se déguise pour étouffer Bertrand. Ça casse la tête, hein, tout ça. Hein. Impossible de se retrouver là-dedans sans un soupçon, au moins, de ce que veut dire la castration. Le dragon est immense à l'entrée de la grotte. Il a une queue extrêmement longue, des yeux très noirs sur fond jaune, une odeur nauséabonde. J'aurais envie d'entrer dans son ventre. Je m'introduis dans son gosier. C'est un tunnel élastique. Je vais vers le fond. C'est une salle beaucoup plus petite, avec un enfant dans des langes. Un énorme diamant passe à quelques mètres. C'est une sorte d'ivresse que je vis à 100%. Sur les plages claires et sonores, battant des mains, le raz-de-marée d'un amour fou et maladroit emporte des enfants, ivres de magique et limpide musique. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait aux journaux illustrés, où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Ses relations avec l'analyste passent de l'agressivité à la dépendance, de la confiance à la méfiance, de la séduction au rejet. Et dans le lucide matin, se lève le bien-aimé ruisselant de parfums délicieux. Je sentis très fort en sortant. C'était beau. C'était beau et après, ça m'a pas empêché de passer une mauvaise semaine. Ok. De passer votre soirée. Tout ça, c'est pour trouver un enfant modèle, propre, sage. Un enfant modèle, propre, sage, au fond du ventre d'un dragon. Et quel dragon ? Ce dragon, c'est moi. Moi, toujours, qui me balance, stupide, répétitif, obsessionnel. Mais aussi, c'est ma mère. Et c'est ça qui m'agace. Que ce soit moi, mais que ce soit elle aussi. Et en plus, si j'y réfléchis, c'est le ventre de l'analyse. Il ne s'agit de rien d'autre que d'un déchiffrage de dimension signifiante pure. J'avais qu'une envie, c'était de me faire expectorer. Débarrasse-toi de cette merde. Vas-y, vas-y. Vas-y, ma petite. Allez, vas-y, ma petite. Vas-y, arrête. Regarde pas ça. Allez, Marie, vas-y.
continuer à rapprocher certaines images retrouvées dans des rêves différents. Il s'interroge sur sa relation à l'analyste, qu'il voit alors comme son persécuteur. Pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil ? Je laisse pour l'instant la question en suspens, j'en ai donné une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges. Ma mère, je l'ai vue plusieurs fois enceinte. Attends ! Mais je me souviens plus très bien. Attends ! Ma première sœur a un an et demi de moins que moi. Attends ! Et puis ce qui se passait quand je voulais grimper sur ses genoux, attends ! Et quand elle partait à la clinique, toujours j'ai été séparé d'elle étant petit. Quand je pense que c'est mon père qui a coupé le cordon et qui m'a pris tout de suite dans sa chambre pour qu'elle puisse dormir tranquille, vous voulez pas qu'après ça, j'ai pas toujours eu envie de rentrer dans son ventre et d'y rester. Mais ça, j'ai jamais voulu me l'avouer. Et en plus, elle est tellement étouffante. Attends ! Aspire. À quoi ça se rattache pour toi ? Une impossibilité de contact. Avec qui ? C'est évident que c'est ma mère. Peut-on dire, par exemple, que si l'homme veut la femme, il ne l'atteint qu'à échouer dans le champ de la perversion. Dans ce cas-là, c'est bien le cas, puisque la femme n'existe pas. Marie-Claude parlait tout à l'heure de ce qu'il avait enragé quand elle lisait Freud, et je me souviens très bien que au cours de plusieurs lectures, arrivait toujours à une petite fille à un moment de sa vie, se rend compte qu'elle manque d'un pénis, et je sais pas, j'avais envie de jeter le livre par terre, parce que c'était quelque chose qui était complètement étranger. Il y a toujours des moments dans Freud où on tombe là-dessus. Mais qu'elle n'existe pas n'exclut pas qu'on en fasse l'objet de son désir, bien au contraire. D'où le résultat. Ça, c'était typiquement une conséquence de la théorie qu'il avait élaborée. C'est cette fameuse question qui vient toujours de l'envie de pénis. L'envie de pénis, donc, ça serait la mauvaise liquidation, le mauvais refoulement de cette période à laquelle la fille doit renoncer, qui était sa période phallique. Donc finalement, tout ce qui fonderait les activités de participation des femmes à la culture, à la création, semblant même à la parole, serait renvoyé à une protestation virile, à une mauvaise intégration de son destin de femme, et à une envie de pénis, tout simplement. Give it to me! Give it to me! Give it to me! It's mine! Ce que Freud découvre dans l'inconscient, c'est bien autre chose que de s'apercevoir qu'en gros, on peut donner un sens sexuel à tout ce qu'on sait, parce que ça s'est fait depuis toujours. C'est même là-dessus que le mot « connaître » prête à la métaphore bien connue. No! C'est le réel qui no! permet de dénouer effectivement ce dont le symptôme consiste, à savoir un nœud de signifiant, car c'est un nœud, pas de sang, mais du jouissance, à écrire comme vous voulez, conformément à l'équivoque qui fait la loi du signifiant. C'est toujours la même chose, ma peur des femmes. J'y comprends rien, ou je comprends trop. Et d'en parler, ça n'avance pas. Oui, c'est ça, c'est le fameux « je ne te le fais pas dire » qui peut vouloir dire deux choses tout à fait différentes en français. Tu l'as dit, et je me mets hors du jeu, c'est pas moi qui te l'ai fait dire par quiconque. Au cours des séances qui suivent, Bertrand noie les entretiens dans des considérations concernant son travail, où il a des problèmes relationnels, sa vie conjugale, où, dit-il, il éprouve des désirs, mais ne sait pas les exprimer, ni les mener à bien. Il est entré dans une période de résistance, comme s'il se refusait au vécu transférentiel, comme si la prise de possession du diamant phallus arraché au dragon était trop angoissante. Il se réfugie dans des fantasmes d'homosexualité, pour lutter contre l'angoisse sans s'y confronter. Au fond, quand on y réfléchit, c'est sinistre. Je pars à la recherche de la femme des profondeurs. Mon château, il ressemble au château de la Belle au bois dormant.
J'ai du mal à y entrer. À cause de quoi? À cause de cette espèce de courant d'air qui sort du sexe d'une femme. Et c'est encore ma mère. C'est bien ma mère. Le geste avec lequel j'ai réveillé la jeune fille, c'est bizarre. Je lui ai passé la main sur les yeux. C'est le geste avec lequel on ferme les yeux aux morts. Comme si pour vivre, il faut mourir. Bertrand approche peu à peu le sens de ce qu'il vient de dire. Pour vivre, il faut mourir. Il faut que meure en lui la femme. Que l'adolescence s'éteigne. La mort, si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez ? Je me permets de contacter mon émotion véritable par rapport à la situation. Va-t'en ! Je crois qu'en acceptant Va-t'en ! De vivre l'émotion et de descendre au fond de l'émotion, c'est comme ça qu'on guérit. C'est pas commode quand on se défait des rôles faux, des images fausses, de tout ce qui n'était pas moi, de mes carapaces, de mes fausses peaux. Il faut se trouver une identité. Je cherche. J'ai quelques repères. Je me fais des surprises. Pendant un an, Bertrand poursuit des entretiens avec son analyste dans des séances de plus en plus espacées. Je suis venu naître ici. C'est drôle. Je commence à voir les gens, les choses. Si je peux trouver à la fois ma mère et la femme, ma femme maintenant, je sais lui résister. Je suis capable de lui dire, si tu fais des histoires, moi, je me tire. En même temps, je ne veux pas la démolir. Je fais attention. Bertrand peut maintenant évoquer le chemin parcouru, la distance qu'il a pu mettre entre sa mère et lui, la possibilité qu'il a d'établir des relations avec les hommes et avec les femmes. La méditation par le rire, c'est déjà très ancien. Tout le monde peut le faire aussi. Et le fait, la méditation, c'est de ne pas penser, de faire ce qu'on fait. Alors, faire la faisselle, ça peut être aussi une méditation. Je suis bien, bien dans le réel, avec une espèce d'envie d'éclater, de m'expansionner, comme l'éclatement d'une carapace, c'est ça. Des poupées gigognes. Je ne sais pas très bien ce qui fait éclater, mais ça éclate. Ça, je le sens. Je pense que les gigognes sont fabriquées de telle sorte que les parties s'emboîtent. Il faudrait passer une lame. Mais le bloc supérieur est tellement lourd que je risque de casser la lame. Et... Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si c'est pas du déconnage. C'en est pas tant au point d'en être hurlant. C'est ce qui donne une haute idée de l'humaine pensée. Tiens, demain, je repeins la cuisine. Et je range le garage. Oh, puis tiens, je vais me remettre au clavier. Comme ça, la semaine prochaine, je pourrais pirater Cyberculture spéciale crime informatique. En toute sécurité. C'est bien le cas puisque la femme n'existe pas. Oui, vous verriez ça comment ?
c'est génial.